va apprendre aujourd'hui quelque chose de très particulier. Un, le copain va se mettre sur la ligne blanche, non, ici, sur la ligne blanche. Et moi, je vais me mettre face à lui. Je prends ma distance. Je me mets face à lui. Un genou au sol, la distance ici. Il va écarter légèrement les bras. Et je vais venir lui faire un gros poutou, un gros gâté. Je viens couler contre lui. Je mets mon oreille contre son ventre pour savoir ce qu'il a mangé à midi. Je serre avec les bras. Je descends légèrement le long des jambes et je l'accompagne au sol. Je l'ai dit, je l'accompagne au sol. Je ne dois en aucun cas le lâcher tant qu'il n'est pas arrivé par terre. D'accord ? On le fait faire un gros bloc. Ce geste, lorsqu'on le fait correctement, ça s'appelle un plaquage. Un plaquage. À partir d'aujourd'hui, on va pouvoir parler de plaquage. Jusqu'à présent, on a parlé de attraper. Là, maintenant, on va commencer à rentrer un peu plus dans la technique et parler de plaquage. Tu remets-toi debout. Donc, on le refait. Regardez bien, je dois obligatoirement l'accompagner. Si je fais ceci, est-ce que c'est correct ? Non. Non, je l'ai projeté, je l'ai lancé, je l'ai jeté. Ça, c'est une faute. Si on fait ceci, c'est faute. Il faut obligatoirement se coller contre lui et l'accompagner au sol. Qui peut me dire pourquoi il faut se coller contre lui bien contre ? Non, il n'a pas de réflexe. Non, ce n'est pas un rapport. Pour pas qu'il se blesse ? Alors, pour pas que lui se fasse mal et pour surtout que moi je ne me fasse pas mal. On va faire l'inverse, mets-toi un genou au sol. Vas-y, c'est moi qui fais le joueur. S'il ne se colle pas, vas-y, attrape-moi les jambes, comme ça fait. S'il ne se colle pas, qu'il reste la tête écartée, quand je vais tomber, boum, je risque de mettre les jambes. Hein, ou un coup de genou. Alors que s'il reste bien collé contre moi, vas-y, refais-le. Voilà, collé, voilà, là, hop, on tombe. Et là, il ne peut pas se faire mal. Il est en sécurité. D'accord ? Alors, pour faire ce jeu, vous allez vous mettre sur la ligne blanche. Attendez, j'ai pas dit, on y va. Un sur la ligne, l'autre en face. Vous faites 5 plaquages chacun. Il en fait 5. Après, on change de rôle. Oh, bon, ça va. Écarte, écarte. On a jusqu'au poteau de foot. Allez. Les filles, écartez-vous. Allez, encore. Mais c'est fort, c'est C'est pas mal ça. Tu serres, voilà. Non, t'as vu, tu as lâché et il a failli te mettre le coup de genou. Reste collé. Hein, on reste collé. Là, vous êtes trop serré. Allez vous mettre un peu plus là-bas. Attention, on a un seul genou au sol, pas les deux, et on n'est pas assis sur sa jambe. Allez, vas-y. Tu l'amènes au sol. J'ai compris le mouvement. Je le fais avec un peu plus de vitesse et un peu plus de puissance. Je prends ma distance, je viens là, hop, et rejoins. Tant qu'il n'est pas arrivé par terre, je ne le lâche pas. D'accord ? Pas le droit de faire ceci. C'est Marie. On recommence. Attends, je vais faire parfait. Hein. J'ai pas le droit de faire ceci. Regarde, là, ça c'est. Ça s'appelle une projection. Et au rugby, c'est totalement. Oui, je veux bien. Pas mal. On a fait 7 chacun. Parce que sur les deux, on le fait 7 à chaque fois. Façon latérale. Donc tu vas se positionner ici, tu vas marcher le long de la blanche. Attends. Moi je me mets ici, je mets la main à la hauteur de la ligne blanche et quand elle va arriver à la hauteur de ma main, je l'attrape, je me colle et je la mène au sol. D'accord ? Allez, vas-y, tu marches, ici, là, et là je la mène au sol. Ok ? Est-ce que c'est compris ? Oui. Ah, c'est voilà, c'est pas mal ça. Et là tu ressens la pub de ce film. Bleu. Les joueurs qui se trouvent de ce côté ici, vous êtes dos à moi, vous devez prendre le ballon,
et aller aplatir derrière la ligne bleue, entre les plots bleus. D'accord ? Si je dis bouge, ce sont les joueurs qui sont en face, prennent le ballon et qui vont aplatir entre les plots rouges. Rouge ? Non, c'est moi, c'est l'autre côté rouge. Hé, cacahuète, c'est l'autre côté rouge. Rouge. Passez à votre couleur. Allez Camille, ouais. Tu lâches, t'es par terre. Le jeu est terminé, Cathy t'a pris. Voilà. Bleu. Résultat, et plus la lettre de Pauvrerie, vendredi matin. Bleu. Des électeurs potentiels. Ah, je sais pas. Et là, bah, il faut que je me taxe demain d'un beau petit courrier de remerciement. Rouge. Donc la plus facile, c'est bien la jaune. C'est plus grand, et là, il y en a plus. D'accord ? Donc tu vas essayer de franchir la porte jaune. Ah, vas-y. Non, stop. Pourquoi tu donnes le ballon ? Quel est le but du jeu ? Non ? Le but du jeu, c'est de faire des passes ou d'aller marquer ? D'aller marquer. Donc on est ensemble. On va le refaire. On est ici. Alors on se met à 4, c'est pareil. C'est moi qui veux. On est prêts ? On regarde les autres, parce qu'après, il faudra faire pareil. La porte la plus facile, les gars, c'est la jaune. On y va. Je viens là, j'essaye de passer, hop, ils m'ont attrapé. Qu'est-ce qu'il faut faire, vous ? Ben, viens, prends la balle et continue. Voilà. Aplati. Aplati. Ok. Est-ce que c'est compris, les autres ? Mathis, fais pas le bulldozer. Regardez où est la porte la plus facile et on y rentre dedans. Si on se fait attraper, est-ce que c'est grave ? Non. À condition que le ballon soit toujours libre. Non, non, vous vous mettez au fond, les gars. Ah, là, c'est ça ? Ben oui, vous êtes passé. Mais pourquoi tu fais la passe ? C'est parti ! Top, ça s'arrête ! Est-ce qu'on a le droit d'attraper le joueur qui n'a pas de ballon ? Non. Elle est la porte la plus facile à franchir. Pourquoi c'est la rouge ? Parce qu'il y a Eh bien alors, il faut regarder. Là, il y en a 4. Hein, on a foncé. Allez, 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 vite. Faut y aller plus vite. Yeah. Aplati, très bien. Allez, vite. Allez, défenseur. Ça joue. Non, vous bougez plus une fois que j'ai fait en ligne. Bien, bien là. Attrape-le, attrape-le, bien. Avance. Top, ça arrive. Non, est-ce qu'il peut te la donner avant ? Non, est-ce qu'elle pouvait te donner le ballon ? Est-ce que c'est une course de vitesse ? Ça veut dire qu'il faut passer le premier, arriver là-bas ? Ou c'est le ballon qui doit arriver là-bas ? C'est le ballon. Si toi tu es devant, tu ne peux pas les aider. Elle est hors jeu. Alors, il y avait combien de défenseurs ? Deux. Il se fait attraper, il donne le ballon. Elle prend le ballon à l'avance, elle se fait attraper. Il reste encore un joueur, toi, à qui elle aurait pu donner le ballon ? Elle attaque quoi avec carton d'invitation là-bas ? Marie, il faut qu'il la passe, si ça passe. Mais non.
Stop, on s'arrête. Alors, quel est... Non, bougez pas, bougez pas. Quel est le but du jeu? Rachir, pour quoi faire? On passe tout le temps à la jaune. Pour marquer les points. Si il se fait prendre, est-ce que c'est grave de se faire attraper? Oui ou non? Non, je ne vais pas vous glacer, donc c'est pas grave. Il arrive ici, il se fait attraper, attrape-le. Voilà. Alors, il l'a fait correctement, toi, demain quand tu veux, tu viens. Je viens ici, je prends le ballon et je franchis. D'accord? Lui, il a vu que vous allez passer, prendre le ballon ici. Il est ici. Il m'attrape. Donc au moment où je prends le ballon, il m'attrape. Attrape, vas-y. Et vous attendez quoi? Il y a une mesure pour lui. Allez, viens me chercher le ballon. Il va marcher là. Allez. Allez, c'est parti. Allez. Stop, on s'arrête. Pourquoi? À quoi sert les passes? Non, à quoi sert les passes? À quel moment joue? À quel moment je dois faire une passe? Quand on est bloqué, est-ce que tu es bloqué? Est-ce que tu as été bloqué? Non, pourquoi tu fais une passe? Pourquoi tu fais une passe? Pour rien. Pour rien. Elle était où la porte la plus facile à franchir? Ah, maintenant tu es sûr? Est-ce que tu l'avais vue? Non. Parce que je prends le ballon, je pars, mais je ne regarde pas. Avant de partir, on prend l'information. Où est-ce que je vais passer? C'est la première chose. Je regarde où je suis placé et j'y vais. Allez, c'est parti! Stop, on s'arrête! Est-ce que tu dois aplatir derrière les plots jaunes ou derrière une blanche? Ah ben alors, qu'est-ce que tu te couches là? Quand on est au sol, le jeu est terminé, tu perds le ballon. D'accord? Allez, si vous êtes devant lui, il ne peut pas vous donner le ballon. On se fait passer 4 passes. Stop, on s'arrête. On s'arrête. Wow. Ben comment il n'y a rien à faire? Vous êtes ou quoi? On n'a pas le droit d'avancer. Ça existe. Vous avez vu le match du match? Oui. Vous avez regardé? Oui. Oui. Est-ce que vous avez vu des joueurs prendre le ballon et faire ça? Non. Hein? Vous avez vu ça? Moi, je n'ai pas vu ça. Hein? J'ai vu des joueurs marcher dans tous les sens, d'accord? Et après, ça a réussi à franchir. Mais marcher latéralement, non. Elle est où la porte la plus facile à franchir? La jaune. Pourquoi la jaune? Parce qu'il y a moins de joueurs. Et la rouge. Moi, je pense que la rouge, même si elle est plus petite, il n'y en a qu'un à franchir. Et on est combien? 1, 2, 3, 4. Donc 4 contre 1. À mon avis, c'est plus facile que 4 contre 2. D'accord? Donc je prends le ballon et j'avance. Lui, il va m'attraper. Est-ce que c'est grave de se faire attraper? Non. Non, on s'en fout. Attrape-moi, vas-y. Attrape-moi, il m'a attrapé. Toi, je prends le ballon et tu continues. C'est ça l'idée. L'idée, c'est pas que. Qu'est-ce qui est important? Que je marque un essai ou que l'équipe gagne? Que l'équipe gagne. On s'en fout de qui va marquer. Le premier, celui qui a le ballon, sa priorité, c'est. C'est quoi sa priorité? Marquer, donc A. Non plus. A. Avancer, j'avance. À ce jeu, si on n'avance pas, on ne peut pas réussir. Donc j'avance, je viens dans la porte facile à franchir, même si je me fais prendre, on continue le jeu derrière moi. D'accord? On est 4 joueurs contre 1, donc ça doit continuer. Allez, là, je passe. Là. Il est hors jeu, il ne peut pas jouer. Hein?
On ne peut jouer qu'avec les joueurs qui sont là. Alors là, pour attraper le ballon, je ne sais pas comment tu veux. Hein. Et j'ai ramassé un petit peu. Allez, attrape. Oh Attention, s'il vous plaît. Important. Allez, passez-vous les bleus. Reculez, reculez, reculez. Avance. Vous les deux. Carton jaune, dehors. Vous avez joué à trois les bleus. Allez, reculez, reculez, reculez. Avance. Boum, là ça va. Nico! Là! Dans la ligne. Eh oui, mais la fois, est-ce qu'il a